Parachat Shoftim. Voilà la Torah qui vient, qui nous raconte. Elle nous dit, la Torah, si on va partir vers une ville afin de l'assiéger pour aller en guerre, et pour le siège, on a besoin de construire des remparts, de construire. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai besoin de couper des arbres. Voilà, prenons un exemple, il y a un chêne. J'ai envie de le couper afin de pouvoir créer un siège sur la ville. Dis la Torah, si c'est un arbre qui ne donne pas des fruits, comme un chêne, alors là j'ai le droit, dans un but d'assiéger, dans un but d'un besoin, j'ai le droit de venir et de couper un arbre. Si c'est un arbre qui donne des fruits, c'est assour. Alors, déjà on sait, on apprend de là une chose, que quand quelqu'un il a un arbre chez lui à la maison, qui donne des fruits, alors on va regarder là, là il y a des cas où on a le droit, où il n'y a pas beaucoup de fruits qui va sortir de cet arbre, combien de kilos il va nous rester. Mais en tout cas, on sait une chose, couper un arbre, c'est assour. Rashi, sur place, il va te dire, il ne rentre pas dans les détails de pourquoi j'ai assour de rentrer cet arbre. Rashi va juste dire, mais l'arbre, entre guillemets, il t'a rien fait. Est-ce qu'il fait partie des personnes que tu vas aller à la guerre contre lui? Et pourquoi tu vas le couper? Mais le Ibn Ezra, et le rapporte le Ramban, il va dire, mais faut savoir une chose. Un arbre qui te donne des fruits, c'est un arbre que tu as une akaratatov vers lui. Tu es en train de manger de cet arbre-là, tu n'as pas le droit de venir et de dire, waouh, moi je vais couper un arbre de qui j'ai profité. HaKadosh Baruch Hu, il veut en vérité apprendre les bonnes midotes à l'être humain. L'être humain, ça ne suffit pas de se dire, je vais faire Torah au mitzvot, mais les midotes, mon comportement, il est comme qu'on veut, il n'est pas grave, ce n'est pas important. Il faut comprendre une chose. La Torah, on est obligé d'être l'idbak, les dav kabo. On doit faire les mitzvot, être midabek dans HaKadosh Baruch Hu. L'idabek dans HaKadosh Baruch Hu, ça veut dire se rapprocher d'Hachem. De la même manière qu'HaKadosh Baruch Hu, il est rachoum, il est chanoun, il est miséricorde. Il te dit à HaKadosh Baruch Hu, fais attention. Quand quelqu'un, il veut se comporter de la bonne manière, il a besoin de réaliser, d'avoir des bonnes midotes. Pour avoir des bonnes midotes, il faut voir que même un être, même qui n'est pas vivant, comme un arbre, c'est juste un arbre de qui j'ai profité, j'ai mangé un fruit. On te dit non, tu n'as pas le droit de le couper pour rien. On est Chodesh Elul, début de Chodesh Elul, et on sait très bien que dans moins d'un mois va être le Mishpat. Et HaKadosh Baruch Hu, il va dire à l'être humain, tu viens en Mishpat devant moi. Et on sait que chacun qui l'est, Mevater, chacun qui va pardonner à l'autre, chacun qui va avoir des bonnes midotes, qui va se rapprocher d'HaKadosh Baruch Hu. Alors HaKadosh Baruch Hu va lui dire, je suis Mevater Lecha. Tout celui qui met la bête sroute sur quelqu'un, alors HaKadosh Baruch Hu va lui dire, je suis Mevater Lecha sur toi pendant Yom Kippour, pendant Yom Rosh Hashanah. Donc on apprend une chose de la Rabotai. De se rapprocher d'HaKadosh Baruch Hu. Et tout celui qui est Mevater, alors HaKadosh Baruch Hu, alors on va être Merachem Alav Minashamayim. Une petite question Rabotai. Si on doit se rapprocher d'HaKadosh Baruch Hu, comment ça se fait que on sait très bien qu'on va dire à Rosh Hashanah qu'on doit faire Tshuva Yom Adin, et ça n'existe pas qu'HaKadosh Baruch Hu, lui, il est Mevater. HaKadosh Baruch Hu, on doit faire Tshuva, et sans la Tshuva, on n'est pas bon. Sans la Tshuva, sans la Tshuva, une personne, il ne peut jamais se rapprocher d'HaKadosh Baruch Hu. Le but, il est de faire Tshuva. Alors peut-être quelqu'un, il va se dire, waouh, si HaKadosh Baruch Hu, il n'est pas Mevater, et moi, je dois me comporter comme HaKadosh Baruch Hu. Alors pourquoi je dois, moi, être Mevater? Moi aussi, je ne veux pas être Mevater.
La réponse, elle est simple, Rabotai. De la même manière que Akadosh Baruch Hu, lui, il est Rahum, il est miséricorde, moi, je dois être miséricorde. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Mevater? Akadosh Baruch Hu, il ne dit pas, moi, je suis Mevater sur la Averot, quand j'ai fait une Avera, tu sais quoi, c'est pas grave. Parce que le fait d'avoir fait une Avera, alors on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, non, je veux en aucun cas que tu t'éloignes de moi. Donc, j'ai pas envie d'être Mevater. J'ai pas envie d'être Mevater. Je veux que tu fasses Tshuva. D'où la raison que il faut se apprendre des comportements d'Akadosh Baruch Hu afin d'arriver au Yom Hadin. Et Be'ezrat Hashem, on se rappelle encore une fois, qu'est-ce que l'importance de faire des mitzvot, Torah ou mitzvot, et surtout, comme qu'on a dit, on ne fait jamais bal tashrit, on a le droit de couper un arbre, seulement quand je vais faire du bien, quand le fait de le couper, ça va être quelque chose qui, parce que j'ai un besoin, il y a un danger, peut-être il va tomber sur quelqu'un, ah, là j'ai le droit de le couper, ou sinon c'est déjà assaut. Shabbat shalom, à très bientôt.